Je vais avoir du mal à faire cette vidéo, bordel. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part. Et bah écoutez, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Alors voilà, et bien... Ça y est, fin de l'année, on est aujourd'hui le 31 décembre. Pour cette vidéo, je vous propose un best-of des meilleurs moments de cette fin d'année. Parce que j'ai déjà fait un best-of il y a pas longtemps, je vous invite, si vous voulez, à aller la regarder juste ici, mais voilà. Aujourd'hui, pour cette dernière vidéo de l'année, c'est un best-of avec les meilleurs moments de cette fin d'année. À la fin de cette vidéo, il y aura un clin d'œil à tous ceux qui méritent d'avoir un clin d'œil depuis toute cette année. Vous en faites partie, évidemment. Sachez que ce best-of, par contre, n'est pas classé par ordre chronologique. Avant de démarrer, je vais essayer de faire ça le plus court. Je vais me mettre dans une sauce, je suis désolé, je vais vous ennuyer. Si vous voulez zapper, ben vous pouvez zapper, il n'y a pas de problème. Mais je voulais... Je suis fier de vous. Voilà, je suis fier de nous, je suis fier de moi, je suis fier de tous. Vraiment, on a accompli quelque chose, je crois, cette année. Parce que il y a de tout le monde. Il y a de tout le monde. Et c'est la définition, c'est ma définition de ce putain de monde. Voilà, t'es là, on va arriver aux élections. Il y a des gars qui veulent diviser. Il y a des nains. Parmi vous, les abonnés, les gars, il y a des mecs, il y a des meufs, il y a des autres. Il y a des gays, il y a des lesbiennes, il y a des hétéros, il y a des couples, il y a des troupes, il y a des... Il y a tout le monde dans mes abonnés, il y a tout le monde. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y en a, vous avez 12 ans, vous êtes au collège, au lycée, il y en a, c'est des chauffeurs routiers, il y en a, ils travaillent dans des magasins, il y en a qui travaillent de nuit. Il y a de toute orientation, de toute origine. Et je suis mais tellement content. Ensemble, on a rassemblé plusieurs gens qui n'ont absolument aucun point commun. Et j'ai vécu des putains de trucs cette année qui sont pas forcément cool, des trucs qui sont super cool grâce à ces trucs qui sont pas cool, tu m'as compris. Des petites expériences, des grandes expériences qui m'ont permis, je sais pas, de plus m'ouvrir l'esprit, de comprendre des choses, de découvrir des nouvelles personnes, de comprendre des trucs. Merci d'être là, merci d'être venu, merci de m'avoir fait confiance et j'espère que vous allez continuer de me faire confiance et qu'on va continuer comme ça ensemble parce que ben j'ai clairement pas envie d'arrêter. J'ai juste envie que 2022 ce soit encore mieux que l'année précédente et que voilà. Alors là, je vais pas vous souhaiter une bonne année parce qu'on est le 31 décembre et ça ne se fait pas. Donc par contre, je vais vous souhaiter un joyeux réveillon pour ce soir, ceux qui vont fêter. Je sais qu'il y en a aussi qui vont pas fêter. Bon courage à ceux à qui c'est pas facile. Il y en a qui font le choix de ne pas fêter le réveillon, ce que je peux parfaitement comprendre. En tout cas, voilà, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, etc. Profitez bien de votre famille, profitez bien de vos amis, ceux qui vont partir avec les amis. Faites pas trop les fous, faites pas trop les fous. Je compte sur vous et faites-vous un max kiff. Je veux que le 1er janvier vous soyez dans le... Vous ressortez avec le même état que vous étiez, on va dire, le 31. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vraiment, faites gaffe à vous. Profitez à fond de ce best-of. Dernière vidéo de l'année. J'espère que vous allez kiffer. La vidéo dure une dizaine de minutes et je suis assez content parce qu'en vrai, on a passé des bons moments cette fin d'année. Je vous fais plein de bisous. C'était Mkolo. Peace and love. Plein de positivité finalement. Je peux rien ajouter de plus. Mais ça me tenait vraiment à cœur de faire cette petite intro pour un peu mettre les choses dans son contexte. Et voilà, je vous fais plein de bisous. C'était Mkolo. Bon visionnage. Il est déjà 16h. Archlore. Hein? Tous les mercredis. Tous les vendredis. Ouais, tu te débrouilles bien quand même. Ça va. Salut chauffeur de bus. Ça va ou quoi? Eh, regarde-moi quand je te parle. Me regarde pas. Oh! Et reste pas à regarder devant toi là! Ok. C'est pas grave. Ah merde, je vois pas le feu par contre. Ah si, c'est parti. Allez, let's go! Je vais plus vite que toi! Je roule plus vite que toi! Ah putain, il a moins de vitesse aussi! Il a moins de vitesse! Mais attends! Ah non, on va pas faire les cons, on va tourner à droite là. Allez, t'as gagné, c'est bon, vas-y, roule. Ça, c'est vraiment bien. Ça! C'est vraiment toi! Salut! C'est là qu'on était avant? Vous en souvenez? Bien sûr. Bem, 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 bem. Oh, j'ai fait un fuck! Non, j'ai pas fait exprès pour le coup. C'est la kiffance, elle a fait la petite frange. Et c'est parti! Boum, boum, boum! Vratatatata! I'm begging, begging you! Bon, hey, ça c'est la bière du camion de devant, ça qui me fait de l'effet. Allez les pompiers, je suis chaud, je suis en feu. Comme Zinedine Zidane. Allez hop, il faudrait freiner, il faudrait s'arrêter. Bon bah on va faire un constat. C'est un rond-point. Ouais. Pourquoi tu veux prendre par la gauche? Oh peut-être. Vas-y.
comment il force l'autre. Il l'a fait. Non, allez, arrête. Merde de bus. Chez nulos. C'est qu'ils sont beaucoup plus sévères, donc en Allemagne, un coup t'as une route, elle est limitée à 60, un coup elle passe à 80, un coup elle passe à 70, un coup elle passe à 50, un coup elle passe à 90, un coup elle passe à 40. Si t'as raté un panneau, t'es mort. Les radars, il y en a tous les 2 mètres. Quand tu vas, tu sais, genre Stuttgart, tous les trucs comme ça. La police, t'en as tous les 3 mètres. Ah oui, parce que tous les 2 mètres, il y a des radars, il y a pas besoin de plus. Donc tous les 3 mètres, t'as la polizei. Non mais je vous jure, c'est ça fait peur, hein. C'est n'importe quoi. Arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Et je me suis retourné à cause de moment, évidemment. Parce que, ben, clairement, j'ai vraiment envie de remettre la neige. Là, on arrive dans la période... C'est vrai que je suis un petit peu précoce. Je suis un petit peu précoce dans le timing. Vous avez fini là, les gars? Non mais les gars, je vous jure, est-ce que vous êtes comme moi? Quand vous attendez des notifications, vous êtes triste parce que vous n'avez pas de notification. Vous êtes là, vous attendez votre téléphone, vous êtes devant le téléphone, vous attendez, il se passe rien. Et en fait, quand tu ne veux pas de notification concrètement, c'est là que t'en reçois 1 milliard. Alors je vous le dis, hein, entre les DM des meufs qui veulent te pécho, ceux qui veulent... je plaisante. Ah, c'est trop, excusez-moi, vous savez que je suis un comique. Et moi j'aime l'humour avant tout, avant les femmes. Je me suis sustenté. D'accord. Et alors? Si je me sustente de me sucer... Non, attendez, non, pardon. Si je me sustente... Si je tente de me sustente... Si je tente de me sucer... Ok. Si je... Vraiment, désinstalle-le entièrement. Tu sais, tu vas dans les... C'est vrai, c'est la différence entre les snaps des mecs et les snaps des meufs. Les mecs, quand ils font un snap en voiture, ils montrent devant. Les meufs, quand elles font un snap en voiture, elles font un selfie. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Bon, dans tous les cas, ne faites pas de snap au volant. Comment elles font les femmes pour faire plusieurs choses en même temps? Vous êtes vraiment des boss, les femmes. Hein. Pour ça, les mecs, ils sont jaloux, c'est pour ça, ils sont trop cons avec vous. Attendez. Mais je veux regarder Vous devez accepter les cookies. Mais j'ai pas faim. Je sais même pas comment on fait pour accepter les cookies. Ils me demandent pas les cookies. Ah, attendez, modifiez vos choix. Hop, pépite de chocolat. Ah là là, et moi mon enfant de 8 ans, il le fait du premier coup, hein. Waouh, ça frôle, mais ça passe. Ça... Oh, allez, c'est bon. En plus, on peut même pas abandonner. T'es sérieux, là? Le pâté... Oh là là... Mais à une époque, je pouvais abandonner si j'arrivais pas. C'est quoi cette merde? Il faut que je retourne à l'entrée. Mais frère, donc en fait, j'ai pas le choix de faire la manœuvre, là. Sincèrement, là. J'ai pas le choix de faire la manœuvre. Non, c'est trop... C'est trop... Non, mais là, vous allez me voir énervé, là. C'est pas possible. On a rien à perdre, de toute façon. Allez. Ah, merde. Je me suis dit, waouh, j'y arrive bien. Mais en fait, j'ai décalé la remorque d'à côté. J'avais pas capté. Ça me casse les couilles, hein. Je vais être très honnête avec vous. Oh, accident. Allez, je vais chialer, bordel. Je vais chialer, j'arrive à rien. Mais je peux pas abandonner aussi, c'est chiant. Allez, c'est pas vrai, y a pas assez de place. Eh ouais, mais soit tu tournes trop, soit tu tournes pas assez aussi. Allez, arrête. Non, mais c'est improbable. Je ne peux pas. On va aller se faire foutre et puis tant pis, hein, moi je n'ai rien à péter. Hein. Pâté de foie ou pas, moi je le prends le pâté de foie, t'inquiète. Hein. Je le paye même. Hein. Ce sera bien pour Noël. Hein. Allez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Là, on a reçu 1100 euros sur la livraison. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Oh merde, vous me voyez? Vous m'avez vu? Arrête! Ça va, mon frère? C'est du yoga? Ah, tu veux peut-être que je me mette derrière? Ah! Monsieur, ne le prenez pas mal, hein? Vous faites du gainage? Eh ben, c'est beaucoup mieux! Un impact, une fissure? Carglass répare? Carglass remplace? Attendez, je vous le répare si vous voulez. Hop! Ah. Et voilà, il est remis sur pied comme neuf. Eh, regarde, il n'y a même plus de fumée, mon pote. Franchement, Bob le bricoleur. Alors, au bout du 45e épisode, on va faire une dinguerie encore. Ouais,
Là, c'est plutôt eux qui font des dingueries. J'ai pas terminé le jeu pour que je me reprenne encore de la propagande. Hein. À un moment donné, ça va la connerie. Hein. Pardon. Ah d'accord. Ça va frérot? Eh, on dirait mon chat ce matin, tu te calmes hein. Merde. Le risque zéro donc n'existe pas. Ouah. Bah oui mais bon, je t'ai pas demandé de voler non plus. Oh le piège. Non mais c'est une blague. C'était un cheval, c'est pas moi. Merde, je suis cramé pour rien. Ça me donne faim. Allez. C'est bon. Je rigole les gars, je mange pas de cheval moi. C'était une vanne hein. Les Chloé, hein. Hein. Oh, je vous vois venir. Salut. Run. Oh merde. Arrête. Je rigole. Aïe. D'ailleurs j'ai récemment regardé un gameplay de Far Cry 3 de nouveau pour me remémorer. Et ceux qui ont critiqué Far Cry 6 parce que c'est les mêmes graphismes, bah je crois qu'ils ont vraiment une mauvaise acuité visuelle, je pense. Très sincèrement. C'est. Non, en effet, Far Cry 3, voilà, dans mes souvenirs c'était magnifique, mais c'était vraiment dans mes souvenirs. Mais le jeu est incroyable, hein. Mais non, c'est Far Cry 6 c'est mille fois mieux, de toute évidence. Ils font leur sport, hein. Ça, c'est vraiment bien. Salut le chien. Des soldats bien entraînés. Voilà. Non, mais y a pas le temps pour les conneries en fait. Ouais. On est carrément ensemble. Ouais. Allez. Tu nous as rendu service, Danny. Ouais. Et pas qu'un peu. Je sais, merci. Il veut me sucer. Du coup. Arrête. Je rigole. J'ai rien à déballer parce que le jeu je l'ai pas fait. Le seul truc que je reproche à Far Cry 6 pour l'instant, parce qu'après bon, les deux seules choses, c'est la perte de l'intérêt de chasser complètement, tu vois. Alors que dans Far Cry, tu te confectionnais tes seringues, t'améliorais tes holsters et machin et compagnie. Ça, c'est dommage. Ah, j'ai enlevé le voile blanc qu'il y avait parce que j'avais monté la luminosité à 70 pour... Pourquoi t'as un problème avec les voiles, toi? Ah, il y a déjà un contrat en cours. J'arrive pas à savoir qui est qui, là. Pourquoi vous en parlez en robot? Ouais. C'est un druide dans Star Wars. On va communiquer sans même call, je pense. Entendez pas? On t'entend, mais t'es en vachement robotisé. Sérieux? Non, c'est vrai? Ah, de ouf. Mais fou, mec. Là, prenez les gars, je coupe mon micro, mais prenez. On dirait qu'il y a tout dans la gorge avec son tuyau qui passe là. C'est le mutant 99 du Covid. Super chat. Il y a beaucoup moins de bâtiments. Ouais, ça c'est bien. Par contre, genre, en soi, j'ai l'impression que la map est un peu plate, tu vois, genre tout le temps, ouais. Je sais pas. Merci Kozuki. Si vous m'entendez, merci beaucoup Kozuki. Ok, est-ce que vous êtes là? Je vous reçois pas. Soldats, on a besoin de vous. Préparez les armes. Ils sont là. On est là. Et on va tout niquer. Là. Au sol. On passe au niveau supérieur. C'est parti dans mon assiette. Hi guys. My name is John. My name is fucking John. I am the new boss on the Warzone game, you know? Let me tell you guys, I'm not here to joke. I got fucking weapon, okay? Okay, that's a fucking nerf, you know? It's not a fake, or a little bit. No on Verdansk. There is no Verdansk tomorrow. This night. There is a new zone on the Warzone game. And his name is Pacific. But the game is not Pacific. The game is fucking Savage. Are you fucking ready? Here. I'm not afraid about snipers, about AK. I don't care. I don't fucking care. Welcome. Shut the fuck up. J'ai des problèmes de son les gars moi. Ouais, pareil, gros problème de son. J'ai complètement raté mon drop. Ah toi aussi t'as un problème de son? Ouais. Ok.
Oh mec, c'est fou. Ouais, j'arrive. Ça. Bidon d'essence, mortel. Bidon d'essence. Attends, c'est compliqué. Les copains. Bah, je vois pas mon arme, je peux pas viser, je peux pas t'aider, gros. En plus, c'est marrant parce qu'on en a juste parlé, genre. Oui, oui. En privé tout à l'heure. Non, mais le jeu sera pas bugué. Mais non, mais arrête. Les gars, je vois pas mon arme. Oh non, mais c'est infâme. C'est vraiment dommage, hein. Bah, c'est parce que t'étais avec les points. T'sais, non. Les deux trucs premier degré, tu vois. Fuck la merde. Qu'on fait, Nico. Je décale pas du j'arrive tout. J'arrive pas à monter. Il sait même pas monter, chemin. Il veut pas monter. C'est quoi cette merde? Catastrophe. Je me fais shot, sa race. On arrive. Mais pourquoi il voulait pas monter? C'est quoi cette merde là, ce mapping? Je sais pas. Ils ont même pas essayé leur jeu. Je sais pas, mais c'est kiffant. Ouais.